Qui gagne entre Broly et Black Freezer? Attention, si vous n'êtes pas à jour sur les scans, ça comporte du spoil. Dans le dernier scan, Freezer nous a fait une grosse démonstration de sa force. En effet, il est arrivé, il a supprimé Cass, alors que nos amis Goku, Granola et Vegeta galéraient contre lui. Encore pire, il est venu mettre KO Vegeta et Goku en un seul coup. Après les avoir battus tranquillement, il est reparti. Il aura juste montré qui était le patron actuellement. Maintenant, en termes de puissance, je pense que Black Freezer est largement au-dessus de Broly. Mais Broly a un potentiel illimité. Au fur et à mesure du combat, Broly gagne en force. Pour que Freezer gagne facilement, il ne doit pas faire durer le combat et y aller franco. Il y a aussi un point qu'on doit prendre en considération, c'est la colère des Saiyans. Sous l'effet de la colère, les Saiyans peuvent devenir très puissants. Et quoi d'autre que se retrouver contre celui qui a tué son père ? Paragus, parce que oui, Freezer a tué Paragus. Pour déclencher chez Broly une colère incontrôlable. Pour moi, il y a deux options qui me feraient plaisir pour celui qui va battre Black Freezer. Soit les auteurs décident de mettre en avant la puissance de Broly, et donc que Broly tue le tyran une bonne fois pour toutes. Ou enfin donner à Vegeta la vengeance qu'il souhaite depuis le temps. Que Freezer a totalement éradiqué les Saiyans. Vegeta a une rage éternelle contre lui et ce serait le bon moment de lui laisser l'opportunité de gagner un vrai combat contre Black Freezer. Plus de sa rédemption parce qu'il est passé d'antagoniste à protagoniste, Vegeta obtiendrait enfin sa vengeance contre Freezer. C'est vraiment un beau clin d'œil des auteurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à rejoindre mon lien en bio sur mon TikTok pour rejoindre mon YouTube. Abonne-toi, Saiyan.